1982, c'est l'avènement d'un grand joueur, d'un jeune joueur qui va remporter Roland Garros pour la première fois à 17 ans, Mats Wilander. Et c'est la première fois qu'une raquette en matériaux composites va remporter les internationaux de France. Cette raquette, ça va être une future star. C'est une des raquettes les plus vendues au monde. C'est la F200 de chez Rossignol. La société de Grenoble va faire un tabac avec cette raquette. Elle est facile à jouer, elle est souple, elle a du rendement. Et petite particularité, c'est son pont inversé qui lui permet d'avoir les 10 cordes centrales de la même longueur. C'est une raquette qui va gagner encore beaucoup de tournois du Grand Chelem.